Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Metal Guitar. Aujourd'hui, on va bien faire travailler son poignet droit puisqu'on est dans un riff de speed metal. La caractéristique du speed metal, bien sûr, comme il y a speed dans le nom, vous vous doutez que c'est la vitesse. Du coup, vous avez peut-être remarqué, nous sommes ici en 180 BPM, ce qui est un tempo très soutenu. Nous allons jouer des alternances de croche et de double croche, et les doubles croches en 180 battements par minute, c'est pas du tout évident. Moi, si je devais décrire le speed metal, je dirais que c'est une forme de power metal qui va très vite. Donc on va retrouver un petit peu les mêmes formes, les mêmes progressions, les mêmes mélodies que dans le power metal, mais jouer bien sûr à un tempo beaucoup plus rapide. Si je vous joue le riff de manière beaucoup plus lente, vous voyez qu'on a ce rythme là. Ici donc le riff principal, il est sur ce rythme là. Ta 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 ta. À chaque fois au niveau de la main gauche, les doubles croches, ça va être un la à vide, alors que les croches, ça va être des notes qu'on va venir intercaler. On a juste des alternances entre la troisième case et la deuxième case. Et à la fin de la deuxième mesure, on va venir faire ce tout petit mouvement mélodique pour relancer. Sur la quatrième mesure, le mouvement mélodique est un tout petit peu différent puisqu'il fait... Sixième mesure, le mouvement mélodique, c'est exactement le même. Et attention, sur la septième et la huitième mesure, le rythme change un tout petit peu puisqu'il va faire... Au niveau de la batterie, vous voyez que ça suit vraiment ce que l'on joue à la guitare, avec des coups assez marqués sur les notes que l'on doit jouer. Là, les notes ne sont plus jouées sur la corde de La, mais elles sont jouées sur la corde de Mi grave. Le mouvement mélodique pour cette corde de Mi grave, il est tout simple. C'est une montée de gamme de Do majeur en partant du Sol. Donc on a Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Ce qui nous fait 3ème case, 5ème case, 7ème, 8ème, 10ème. Et on finit sur le Mi à la 12ème case. Autre particularité du power et du speed metal, c'est bien sûr les notes en palm mute. Le principe du palm mute, c'est qu'on va venir étouffer les cordes. On vient poser la paume de sa main ici sur les cordes afin de ne pas faire résonner et de faire ce son étouffé. Bien sûr, du coup, là, la difficulté du riff, ça va être d'alterner entre les notes étouffées et les notes non étouffées. Sur la deuxième partie, j'ai fait une petite variante, en fait, où je vais simplement venir jouer les harmonies, mais cette fois à l'octave. Donc ici, sur la rythmique, quand j'ai alterné entre Do, Si, Do, eh bien, je vais venir ici jouer sa tierce, mais à l'octave supérieure. Donc sur ma troisième case ici, j'avais un Do, sa tierce, ça va être Mi, que je vais venir jouer ici. Et ici, au lieu de jouer des La à vide en palm mute, je vais venir chercher mon La 7ème case sur la corde de Ré. Et c'est celle-là que je vais jouer palm mute. Là, du coup, les notes non étouffées ne vont pas être forcément sur la même corde. Donc attention, on va devoir passer d'une corde à une autre. Et pour les deux dernières mesures, on va revenir sur notre Mi à vide, sauf que cette fois-ci, on va venir jouer les tierces de tout à l'heure, quand on jouait. Là, on va venir jouer exactement la même chose, sauf que du coup, on va jouer 7, 8, 10, 12, 13, 15. Voilà pour le riff d'aujourd'hui, on va se le rejouer une deuxième fois, mais avant ça, je vous laisse me mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et si vous voulez retrouver d'autres épisodes où on travaille notre rythme dans un contexte métal, je vous laisse retrouver juste ici et dans la description la playlist Metal Guitar. Allez, maintenant que vous avez eu toutes les explications, vous allez pouvoir jouer avec moi, c'est parti !